Ouais, salut toute la famille, ici c'est votre frère Kyria Didi. J'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Sinon moi aussi je me porte très bien. Écoutez bien cette vidéo pour ne pas faire des erreurs à l'interview. C'est-à-dire pour ne pas rater votre interview, écoutez très bien cette vidéo. Voilà, c'est un bon secret et je dois le partager avec vous. Donc si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, s'il te plaît, il faut t'abonner très rapidement. Afin que tu puisses regarder nos vidéos prochaines. C'est très important. Donc, voilà. Écoutez très bien, comme je viens de le dire, cette vidéo, du début jusqu'à la fin. Donc, pour ne plus tarder, ce que j'aimerais vous dire, félicitations premièrement pour les gagnants. Et Dieu merci. Et aussi, on rend grâce à Dieu pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Parce qu'on dit toujours que tout concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'une fois que vous avez confiance en Dieu, donc ce n'est pas encore la fin du monde. Il y aura encore d'autres chances. Voilà. C'est très important. Donc, beaucoup de courage à vous qui n'êtes pas sélectionnés. Et félicitations à ceux qui sont sélectionnés. Voilà, pour ne pas trop faire du bruit, il faut que je reste ici. Donc, écoutez, vous savez, si vous êtes sélectionnés, à ceux qui sont sélectionnés, je parle à ceux qui sont sélectionnés. Si vous êtes sélectionnés, je vous ai déjà dit que gardez votre calme et pensez à chercher qu'est-ce que je dois faire rentrer dans mon DS260. Je vois que ces derniers temps, beaucoup de gens sont pressés pour le remplissage du DS260. C'est très bien. Parce que vous avez peut-être écouté certaines vidéos, ou bien une fois des vidéos qui disent que si vous n'avez pas vite rempli, il y aura cet impact, cet impact, cet impact. Oui, c'est vrai. Mais à quoi ça sert de vite remplir et faire des erreurs? C'est pourquoi je vous exhorte à vous patienter, à patienter. Donc, premièrement, les erreurs que les gens font, c'est que quand ils sont sélectionnés, ils cherchent à savoir, ah ok, j'avais un fils, mais je n'ai pas fait l'inscription avec mon fils ou bien avec ma fille. Bon, je peux le faire rentrer rapidement pour qu'on puisse partir ensemble. Ah, mon papa, sur le passeport ou bien la nationalité de mon papa, il y a ceci, mais sur ma nationalité, il y a ça. Ce n'est pas, il n'y a pas de conformité. Ah, ma maman, il y a ceci. Le gars, je vous parle en tant que petit frère et grand frère, petit frère et grand sœur et maman. Donc, nous sommes tous des frères. Donc, je vous en prie, quand vous êtes sélectionné, vous êtes la personne choisie par Dieu pour sauver premièrement votre famille. Donc, pensez à vous d'abord. Laissez ce qui appartient à papa, ce qui concerne maman, ce qui concerne... Oui, c'est bien vrai. Vous allez faire entrer les données de maman, de papa. Mais tout est possible. Lorsque vous serez une fois sur le sol américain, vous pouvez refaire tout ce que vous n'avez pas pu faire à vos parents. Donc, c'est très important. Il ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas faire des erreurs par rapport peut-être à la date ou mois de votre maman. Parce que si ta naissance, je dis et je le répète, c'est ce qui se trouve sur votre naissance que vous allez faire rentrer comme information dans votre DS. Ce qui se trouve sur votre naissance. Parce que le jour J, lors de l'interview, vous ne présenterez ni la naissance de vos papas, ni la naissance de vos mamans. C'est très important. C'est ce qui vous concerne que vous allez faire rentrer. Si je dis encore, si vous avez un enfant qui est plus âgé que le temps que vous avez fait l'inscription et que vous n'avez pas fait l'inscription avec votre enfant, il faut l'oublier en même temps. Il ne faut pas oser pour faire entrer votre enfant dans votre DS260. Sinon, c'est une disqualification d'office. Mais si vous avez un fils ou une fille après l'inscription, c'est tout à fait normal que vous pouvez faire entrer cette donnée dans le DS260. C'est très important ce que je vous dis. Écoutez très bien. Il ne faut pas faire des erreurs parce que ça me fait mal si je vois mes frères
qui font des erreurs, les mêmes erreurs. Tout ce qu'on dit ici tout le temps, c'est les mêmes erreurs que vous faites. Je vous en prie, évitez toutes ces choses et concentrez-vous sur votre propre dossier. C'est très important. Concentrez-vous sur votre propre dossier afin que vous puissiez sauver. Vous puissiez sauver votre famille, délivrer votre famille de la misère. De toutes les façons, vous ne pouvez pas donner tout à votre famille. Mais le peu que vous allez leur donner, ça va leur faire du bien. Donc, c'est pourquoi. Concentrez-vous. Mes gars, je vous aime beaucoup. Je vous aime très bien. Et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez la vidéo immensément. Si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie. Abonne-toi rapidement afin de ne pas rater nos vidéos. D'accord? Ok, merci. Et à plus.